Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de Nathalie Tingry pour présenter des choses toujours dans cette thématique de la culture numérique des jeunes, ou les jeunes et le numérique. Vous voyez deux visages sur le diaporama. Donc, il a été fait par moi et également élaboré avec la collaboration d'Alain Lurie. Mais il n'a pas pu se déplacer. Hein. C'est un professeur de psychologie de l'université de Rennes 2, avec qui je travaille régulièrement. Et donc, vous avez proposé cette présentation aujourd'hui. On va commencer donc avec ce titre-là, qui est fait un petit peu exprès pour être attractif, surtout le sous-titre, sur les activités extrascolaires des élèves. Vous allez voir principalement qu'on va développer les élèves de 3e. Les loisirs numériques et les apprentissages, sous-entendu scolaires, font-ils bon ménage? Donc on va essayer de répondre à cette question-là en problématisant un petit peu ce qui est derrière. Avant d'attaquer en fait directement ces choses-là, parlons un petit peu de termes qui circulent, d'expressions que l'on entend parfois, ou à propos des élèves, on entend dire « Internet, ça embête », « la télé, pareil », ils n'apprennent plus rien de nos jours, ils ne lisent plus, de notre temps c'était mieux, on a de tout, hein. On a des générations différentes qui proposent ces termes-là. Donc on sent bien qu'il y a dans ces termes qui sont véhiculés un certain nombre de préoccupations, on va dire éducatives, sur le temps consacré dans ce qui est en dehors de l'école, comme si à l'école, comme si à la maison, il fallait toujours être aussi dans le métier d'élève, et vous verrez que on est en dehors de l'école, quel que soit le niveau, c'est aussi pour faire autre chose. Donc, parmi ces constats de phrases que l'on entend, est-ce qu'ils sont assez objectifs? Est-ce que l'on peut faire des hypothèses qui ne sont pas que pessimistes sur ces jeunes et sur les loisirs extrascolaires, notamment numériques, hein, je vais en parler aussi aujourd'hui. Et donc, pour problématiser un petit peu tout ça, il vaudrait mieux formuler une question de départ, un petit peu comme si c'était un projet de recherche de mémoire étudiant. Finalement, quels sont les liens entre la fréquence des loisirs des adolescents et leur performance scolaire et cognitive? Et quand on formule les choses comme ça, on a des chances d'aller un petit peu plus loin pour observer la réalité de cela. Alors, avant d'attaquer les adolescents, on va faire déjà un petit tour tout simple. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée? Parce que c'est pas évident. Si je prenais tous les agendas de chacun, on pourrait effectivement voir qu'on a des préoccupations différentes. Mais vous allez voir que ce n'est pas trivial de savoir comment on occupe une journée et que ça va renvoyer des informations sur comment les jeunes, justement, occupent les leurs en dehors de l'école, dans des loisirs. Alors, il y a une vaste étude qui se poursuit à peu près tous les 10 ans, menée par l'INSEE, sur les conditions de vie de notre pays. Et ils ont, en 2010, statué sur la journée type des Français, qu'ils soient jeunes, plus âgés, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Et ça soulève un certain nombre de questions sur nos ajustements depuis quelques années là-dessus. La précédente enquête était de 99, celle de 2010 est donc arrivée, et en 11 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et je vous propose de faire un petit point déjà là-dessus, avant de voir ce que les adolescents ou les jeunes font de leur quotidien. Alors, dans une journée ordinaire en France, donc ce tableau, vous pourrez le retrouver sur Internet, c'est assez facile d'en trouver le lien. On voit que, hommes et femmes, nous passons un certain temps à faire beaucoup d'activités. Les temps physiologiques sont extrêmement longs, c'est-à-dire qu'on passe près de la moitié de la journée, finalement, entre le sommeil, les toilettes, le soin, le repos, et ainsi de suite. Ce sont les repas, pardon. Et si l'on regarde... Alors, je vais essayer de pointer les choses. Je l'ai mis dans ce grand rectangle qui nous intéressera, ça sera pour les loisirs. Mais si on regarde les activités dites professionnelles ou de formation, vous allez constater quelque chose qui va étonner peut-être ceux qui ont des responsabilités dans les établissements. Quand on voit que les jeunes, garçons comme filles, passeraient 3h40 à 3h50 par jour à travailler,
entendu dans les cours, on se demande, mais où sont-ils? Il manque des heures. En fait, l'enquête de l'INSEE qui est produite là, elle a moyenné sur toute une semaine ce que les gens font. Et donc, le vendredi, le samedi et le dimanche est confondu là-dedans. Alors, la technique qu'ils ont utilisée est assez intéressante. Hein. Ils ont distribué, je crois que c'est... 17, ils ont contacté 17 383 personnes, ils leur ont donné des livrets, des carnets, et toutes les 10 minutes, ces personnes devaient noter ce qu'elles faisaient. Et donc, ils ont collecté tout cela pour faire un certain nombre d'informations. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir que, pour l'enquête INSEE de 2010, finalement, les jeunes, hein, si on prend la tranche d'âge étudiants-lycéens, passeraient entre 3h30 pour les garçons et 3h20 pour les filles en loisirs par jour. Donc c'est ça qui est assez intéressant là-dessus et qui va faire l'objet un petit peu de déclinaison, de vérification, mais sur le terrain des collégiens en particulier. Alors, quand on fait le détail quand même de ce que font les personnes dans leur journée, quelles que soient les tranches d'âge, les sexes, ainsi de suite, de quoi s'aperçoit-on? En fait, on voit qu'on passe énormément de temps devant un écran, quel qu'il soit, que ce soit un smartphone, que ce soit la télé, que ce soit d'autres médias encore. Et grosso modo, les Français passeraient environ 2h30 par jour devant un écran, que ce soit pour des raisons non professionnelles, hein, dont c'est l'activité principale ou autre. Alors, ce qui est rigolo sur les... diagramme en barre qui est montré là, c'est qu'on peut être sur la télé, on peut être sur un écran dit plutôt numérique, type PC, tablette, Mac ou tout ce qu'on veut, mais on a un petit temps aussi, surtout sur les jeunes générations, où on est à la fois sur la télé, à la fois sur l'ordinateur, bref, on est dans du multi-écran dans nos activités quotidiennes. Et donc, on zappe, ce que Nathalie sans doute indiquait de scanning, de choses comme ça, de zapping, se retrouve aussi dans les activités des plus jeunes générations. On est sur plusieurs types d'écrans de nature différente et pour des charges mentales différentes. Ah ! En fait, je vais placer mon curseur là. Là, c'est les garçons. Lycéens, collégiens ou jusqu'à 24 ans passent jusqu'à 3h50 devant des écrans. Alors les garçons passent 3h50 mais les demoiselles passent 3h20, donc il y a un différentiel, donc garçon-fille devant les écrans, mais vous verrez que quand on aborde la téléphonie, c'est pas tout à fait la même chose. Et on verra si les stéréotypes de sexe sont respectés ou pas dans ces conditions-là. Ce qui est intéressant, sans faire de la polémique, c'est qu'on voit que les jeunes générations ont changé de médias. Où sont les médias numériques? Ils ne sont pas que passifs devant la télé, ils sont plutôt actifs. Quand on est devant l'ordinateur, généralement on interagit, sauf à faire du replay, mais on interagit quand même. Et ce qui est rigolo, c'est juste une remarque un peu insidieuse que je fais, c'est qu'en ce moment où on discute de relever l'assiette de ceux qui payent la redevance télé et de ceux qui ne la payent pas, on constate que ceux qui consomment le plus de télévision, ce sont les personnes de plus de 75 ans, avec très peu de numérique, sauf les hommes, et que ceux qui payent la redevance télé, hein, toute cette frange-là, finalement l'utilisent plutôt vers les âges avancés, alors que ce sont d'autres médias qui sont en même temps en devenir et en montée. Donc j'arrête ma polémique, hein, c'était pour sourire là-dessus. Mais vous voyez que hommes et femmes ne sommes pas, on ne va pas dire égaux, mais ne passons pas autant de temps devant les médias selon les tranches d'âge et selon les usages. Donc voilà ce que je voulais déjà indiquer avant d'aborder justement ces jeunes en particulier. Donc moi, ce que je vais vous relater aujourd'hui, c'est une étude qui a été menée en 2011, qui a été publiée en 2014 par Alain Lurie et des collaborateurs. Étude qui va sans doute se poursuivre avec moi, mais plutôt chez les élèves du primaire d'ici quelques mois. Donc c'est pour ça qu'on fait la liaison. Et cette étude a été menée auprès de 27 000 élèves. Donc on a des données quantitatives relativement importantes
qui vont nous permettre de voir un petit peu si les élèves, quand ils ne sont pas dans l'enceinte scolaire, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils déclarent faire, et de voir si en leur faisant administrer un certain nombre d'épreuves à la fois scolaires et cognitives, s'il y a un retentissement du temps extrascolaire et des activités extrascolaires sur les tests cognitifs et scolaires qu'on leur a fait passer. Hein, ça revient à la problématique que j'ai posée tout à l'heure. Donc, entre 2007 et 2011, l'ADEPT, qui est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, donc quelque chose qui est à l'intérieur du ministère de l'Enseignement de l'Éducation nationale, a mené une vaste étude, une étude longitudinale, auprès d'une trentaine de milliers d'élèves. Hein, il y en avait 31 300 élèves en 2007. Alors bien sûr, il y a une déperdition avec les changements d'adresse, des redoublements ou d'autres choses. Il n'y en avait plus que 27 300 en troisième. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous présenter aujourd'hui, c'est à l'intérieur de l'étude qui a été menée en 2011 sur les 27 000 élèves, c'est la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, celle des loisirs extrascolaires tels qu'ils ont été mesurés en lien à des connaissances encyclopédiques des enfants, plutôt de nature scolaire, et d'autres tests psychologiques, de raisonnement et de choses comme ça. Et cette étude a particulièrement été conduite par Alain Lurie et d'autres collègues là-dessus. Alors concrètement, comment ça s'est fait ces choses-là? Eh bien, vous avez un livret qui a été proposé à chaque élève. Les établissements scolaires ont été sollicités en 2007 et en 2011 pour répondre à cette enquête de l'ADEP. Hein. Il fallait respecter des conditions particulières d'échantillonnage en fonction des académies, respecter la part publique-privée, savoir si c'était plutôt en urbain, en rural, si c'était la taille des établissements, l'âge d'entrée en sixième, l'échantillonnage aléatoire, des conditions statistiques particulières, ce qui fait que tous les établissements n'ont pas forcément été sollicités, et que quand ils ont été sollicités, c'est quelques élèves répondant à ces panels qui ont été interrogés, qui ont eu ce livret. Donc vous voyez la première de couverture du livret, et puis là, j'ai mis la séquence 9 qui était relative aux activités extrascolaires qui ont été demandées. Donc les élèves étaient interrogés sur un certain nombre de dimensions, à savoir ce qu'ils faisaient de leur communication, téléphone ou internet, des éléments de sociabilité, s'ils rencontraient ou jouaient avec des camarades. Vous aviez des éléments sur les jeux vidéo, sur la télévision, les films, sur la lecture, que ce soit des livres, des journaux, de la bande dessinée, des comics ou tout ce que l'on veut. S'ils faisaient des sorties, plutôt sport, spectacle, des concerts, s'ils écoutaient de la musique et s'ils avaient, en marge de tout ça, le temps d'avoir un engagement social, activité associative. Vous aviez un certain nombre de dimensions qui étaient testées. Et pour chacune de ces dimensions, ils répondaient à un certain nombre de questions. Ils répondaient à un certain nombre de questions où ils devaient indiquer de « je le fais tous les jours ou presque », environ une à deux fois par semaine, environ une à deux fois par mois, une à deux fois par trimestre, ou jamais depuis la rentrée scolaire. C'était les questions qui étaient proposées. Et cette enquête, elle a eu lieu entre mars et avril 2011, de l'année donc 2010-2011, où ils étaient insérés. Donc ça, c'est pour le document qu'ils ont eu en main à différentes périodes de l'année pour le faire. C'était séquencé pour ne pas le faire en une seule journée, ce qui serait aberrant sur le point de vue de la sincérité des résultats. Alors, qu'est-ce que l'on a comme résultat? On en a énormément. Donc, je ne vais pas tout voir avec vous aujourd'hui. Hein, ça a fait même l'objet de plusieurs publications de ceux qui ont mené l'étude. Je vais vous montrer quelques éléments choisis qui permettent de répondre à la problématique d'une influence des loisirs sur les activités cognitives et ou scolaires. Alors là, j'ai pris quelques exemples. Alors, je regarde si c'est bien représenté parce que j'avais mis des codes couleurs dans les cerclages de mes images pour voir si vous les avez bien. Oui, donc vous allez bien les voir. Donc j'ai pris quelques éléments volontairement saillants. Vous voyez que tous les jours ou presque, en fait, ce qui est le plus utilisé par 80% des élèves de 3e, donc 14 ans, 14 ans et demi, 15 ans, c'est d'utiliser le téléphone. Envoyer des SMS, communiquer avec ses copains. Pour plus de 40%
des élèves, c'est regarder les idioties où certaines personnes passent à la télé dans des émissions de télé-réalité. Et vous avez d'autres, 22% à peu près, c'est faire des jeux vidéo. Et vous avez d'autres pour qui c'est la lecture. Alors ça, c'est pour les activités les plus fréquentes, quotidiennes ou quasiment quotidiennes. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qui n'est jamais pratiqué. Donc, vous voyez, il y a aussi des élèves qui ne regardent jamais la télé-réalité, qui ne font jamais de jeux vidéo. Ils sont plus nombreux que ceux qui ne lisent jamais, heureusement, et que ceux, hélas, ils devraient être plus nombreux, mais bon, c'est mon point de vue, qui ne regardent pas la télé-réalité non plus. Donc, vous avez des décalages entre les pratiques et les fréquences des élèves, et on va justement discuter de ces pratiques. Elles ont-elles ou pas un retentissement sur, auprès des élèves, dans leur performance intellectuelle et leur performance scolaire. Alors, quand on regarde le top 10 de ce que font les élèves, donc là, on a hiérarchisé de ce qu'ils déclarent, utiliser ou employer tous les jours. Donc on voit écouter de la musique, on voit téléphoner, envoyer des SMS, utiliser Internet pour communiquer avec ses amis, utiliser Internet sur des sujets non scolaires, bien sûr, à la maison on n'est pas là que pour faire les devoirs, utiliser Internet pour regarder la télé, de la musique en replay ou des choses comme ça, la télé-réalité, pour se distraire, aller voir les dernières informations de Press People, pirater un petit peu, ça fait partie des activités élèves chez eux, écouter des chansons de la variété française, et puis finalement, dernier du classement, regarder des films plutôt d'action, de science-fiction, et tout ce que l'on veut. Là-dedans, on ne voit aucune activité du genre lecture, sport, et ainsi de suite, dans les activités quotidiennes. Elles ne viennent qu'après les loisirs, entre guillemets, numériques. Donc les loisirs numériques, pour la génération actuelle, sont dans le top 10 des activités qu'ils font. Ils se font avec un média. Donc c'est ce qui est à voir. Alors, si on regarde que ça, on est un peu embêté, on ne voit pas trop ce qu'ils font en général. Donc il va falloir élargir un petit peu le classement, passer non plus à ce qu'ils font tous les jours, parce qu'il y a des activités qu'on ne peut pas voir tous les jours. S'ils ont sport ou piscine une fois par semaine, on ne le voit pas sur un tel classement. Donc il faut élargir au moins à la semaine ce type d'activité, et on voit un peu mieux ce qu'ils font. Alors forcément, ça devient moins lisible, parce qu'il y a plus d'informations qui passent. Donc j'ai essayé de mettre des codes couleurs pour vous repérer un petit peu les choses qui sont plus explicites. On retrouve toujours en première activité, on va dire dans la semaine, écouter de la musique par 92% des élèves. Suit toujours les activités de communication. On va dire qu'autour de la tranche de 90%, on a quatre activités principales qui sont données, écouter de la musique, le téléphone et les SMS, faire de l'Internet pour communiquer ou faire de l'Internet pour naviguer, chercher des choses sur des sites qui nous plaisent, sans que ce soit scolaire. Et puis après, quand on descend, on voit un petit décrochage plutôt autour de 75%. Vous voyez apparaître, c'est la bande noire, le sport. Le sport commence à apparaître pour 77% des élèves dans leur semaine. Et autour de ces 75%, donc, on trouve les émissions de télé-réalité, on trouve regarder des films plutôt d'action et d'autres choses comme ça. Et puis on descend. Et vous voyez que vers le bas du classement, en violet, ici, j'ai mis les trois activités qui se réfèrent à la lecture. Donc la lecture n'est plus une activité extrascolaire majeure, comme l'aurait pu sans doute l'être il y a quelques années, avant que télé et autres appareils de médias ou de loisirs ne soient installés. On va dire que la lecture est encore là, mais n'est plus dans le classement des loisirs préférés des élèves. Alors, tout à l'heure, certains d'entre vous ont posé, je crois de ce côté-là, des questions sur les différences garçons-filles, si ou pas, dans les activités qui sont proposées, ça marche ou ça ne marche pas. Donc moi, j'aurai d'autres réponses sur les jeux, j'aurai d'autres réponses sur les activités extrascolaires des élèves, notamment avec le numérique. C'est des choses qu'on va éclairer justement dans les diapos qui suivent. Alors, je vous propose de faire en fait une segmentation en fonction des types d'activités extrascolaires qui sont proposées.
Première différence, donc, j'ai tout bêtement repris le code bleu pour les garçons, rose pour les filles. Je pense que c'est une convention assez usuelle. J'aurais pu mettre du jaune ou d'autres couleurs, hein, on peut me traiter de sexiste, mais je prends des conventions usuelles, comme ça au moins tout le monde les comprend. Alors, du côté de la communication, si on reprend quelques activités du genre téléphoner ou communiquer avec ses copains ou ses copines par SMS, eh bien, le stéréotype qui veut que les filles apprécient beaucoup plus le langage que les garçons, et soient plus compétentes dans le langage, ce qui est vrai jusqu'en CM1, mais les garçons les rattrapent à l'âge de CM1, fait qu'effectivement, elles pratiquent plus le téléphone ou l'envoi de SMS, mais finalement, c'est pas franchement beaucoup différent des garçons qui aussi l'utilisent durant la semaine. Et vous voyez par contre qu'il n'y a pas de différence entre utiliser Internet pour naviguer et faire ce que l'on veut derrière, et puis utiliser Internet aussi pour communiquer. Là, les profils sont proches. Petite différence, hein, vous voyez, les jeunes femmes communiquent plus encore par Internet, hein, ça doit être du Skype, ça doit être des choses comme ça derrière, mais il n'y a pas de... les garçons ne communiquent pas et les filles communiquent, non, ça n'existe pas, tout le monde est dans les médias, mais l'intensité, la fréquence est radicalement différente de nos stéréotypes tels qu'ils pouvaient le prédire. Si on regarde le média de télévision, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Qu'est-ce que les élèves de 3e, quand ils ne sont plus à l'école, regardent à la télé, sur la semaine? Alors on voit que dans les activités majeures, c'est d'abord des films d'action, policiers, SF, ainsi de suite. Mais ce sont quand même un petit peu plus les garçons qui le font que les jeunes filles. Après, on a les émissions sport, avec un grand écart. Si on ne regardait pas qui regarde garçons ou filles, on aurait une moyenne, mais cette moyenne n'est pas interprétable. Les garçons regardent plus les émissions de sport que les filles. Vous voyez, un rapport de 27 à 68, donc il y a quelque chose là-dedans. Par contre, c'est l'inverse. Les jeunes filles préfèrent regarder les Nabila et compagnie que les garçons pour les émissions télé-réalité. Donc, pour les films comiques, ça se vaut. Donc, on doit rire de la même façon, sans doute. Pour les dessins animés, les films d'animation, c'est pareil. Il n'y a pas trop de différence. Par contre, on retrouve un clivage entre les films de type western, arts martiaux et compagnie, où ce sont plus quand même les garçons que les filles. Et bien sûr, pour les séries romantiques, c'est l'inverse à nouveau, plus de jeunes femmes, d'adolescentes, que de garçons. Alors, ça doit faire sourire, en même temps ça confronte des choses. C'est intéressant d'avoir au moins sur 27 000 personnes des choses qui insistent sur les usages. Alors, tout à l'heure, il y avait des questions sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on va faire pareil, on va distinguer. On remarque que si on ne s'intéressait qu'à la moyenne, sans doute qu'on dirait qu'ils sont autour de 50%. Mais finalement, effectivement, ce sont plus les garçons qui jouent aux médias, qu'ils soient consoles, smartphones et autres. Mais on remarque que pour les jeux vidéo, plutôt d'action, effectivement, ce sont les garçons, très peu les filles. Pour les jeux de sport, sans doute ceux-là même qui regardent le sport à la télé font aussi des sports sur console ou sur autre appareil. Par contre, vous voyez que l'écart se réduit un petit peu plus, même si les filles ne jouent pas beaucoup plus en pourcentage que les autres catégories, il y a moins de garçons à jouer aux jeux de stratégie, ce qui réduit l'écart. Donc voilà pour les grandes catégorisations qui sont dedans. Donc, les ados passent quand même bien du temps à faire des jeux vidéo, mais en majorité, ce sont des garçons. Donc, si on devait donner le profil d'un garçon, le profil d'une fille de 3e là-dessus, on dirait qu'il regarde le foot à la télé, après il va jouer sur sa console, pendant qu'elle chatte ou envoie des infos texto ou au téléphone à côté là-dessus. Voilà le stéréotype pour l'instant. C'est une caricature, c'est pas la réalité, heureusement. Il y a des courbes de distribution des choses. Si on regarde l'activité qui intéresse plus quand même les enseignants, ou celle qu'on veut valoriser en disant on perd beaucoup là-dessus. Donc si on regarde la lecture sur la semaine, et qu'on détaille qu'est-ce qui est lu, on voit que ce sont d'abord, n'en déplaise aux littéraires, c'est pas ce que l'on voit en cours, ou ce qu'on propose de littérature classique qui est apprécié, c'est ce qui est contemporain. Et ce qui est contemporain, c'est les bandes dessinées, les mangas, les comics,
plus effectivement pour les garçons, mais même nos éditeurs font les efforts d'aller vers une littérature de jeunesse féminine, donc ça remonte aussi du côté des jeunes filles là-dessus. Magazines, journaux, c'est kiff-kiff la même chose. On retrouve dans une appétence un peu plus grande quand même des adolescentes pour les romans, on va dire, policiers, fantastiques, qui sortent des choses. Bien sûr, ce qui est roman, poésie, littérature classique, c'est plus les demoiselles que les jeunes hommes. Par contre, pour ce qui est livre de science, d'histoire, même si la proportion est faible de ce lectorat, ce sont quand même plus les garçons que les filles qui envisagent ce type de littérature, ce type de lecture. Donc la lecture n'est pas morte, mais quelques clivages selon le genre des lecteurs et des choses intéressantes quand même là-dessus. Alors, maintenant je vais passer à des éléments plutôt théoriques. Si on regarde plutôt du côté des sciences, moi je vais plutôt me situer du côté de la psychologie, c'est quand même ma discipline. Quels sont les éléments qui figurent dans les recherches scientifiques qui disent tantôt les loisirs extrascolaires, notamment numériques, sont bénéfiques ou au contraire ne sont pas bénéfiques aux apprentissages ou aux compétences cognitives des élèves? Alors, dans ces travaux-là, on recense un certain nombre de d'hypothèses, de grandes théories, mais elles vont vers certaines conceptions, notamment la notion de transfert d'apprentissage, notamment la notion de coût temporel pour celui qui mène une activité, la notion d'impact motivationnel, hein, motivation dont on a parlé tout à l'heure avec Nathalie, c'est une question aussi qui a été posée tout à l'heure, donc on va statuer un petit peu là-dessus, sur 27 000 personnes, et puis on sait aussi que finalement, quand on n'est pas à l'école, on est chez soi, on fait autre chose, ben on a aussi le droit de se reposer, et pas que d'être dans des jeux vidéo, la télé, et ainsi de suite. Donc le repos, la distraction, est-ce que c'est quelque chose aussi qui encourage de meilleures performances cognitives et scolaires quand on les rapproche? Alors, pour chacune de ces thématiques-là, j'ai quelques diapos qui présentent les choses. Donc la première, l'hypothèse, le premier domaine, ça serait les transferts entre jeux vidéo et capacités cognitives. Les défenseurs des jeux vidéo disent « Mais non, en devenant bon dans un jeu vidéo, tu vas devenir bon dans telle autre chose. » On avait déjà entendu parler de ça dans les années 80, après, avec le plan informatique pour tous, à l'époque où le constructionnisme hérité du constructivisme, c'est-à-dire que c'était Seymour Papert avec les micro-mondes, était apparu, où on croyait qu'en programmant, ça allait donner des compétences mathématiques et en sciences auprès des élèves en réalisant ces activités de programme sur les micro-mondes. Alors, on est dans le même courant d'idées, c'est que certains font des hypothèses que jouer intensivement dans des jeux vidéo vont développer des compétences cognitives transférables dans d'autres domaines du quotidien, en espérant qu'à l'école, ça marche. Par contre, les résultats sont relativement hétérogènes. Certains chercheurs disent, ben oui, ça marche pour certaines composantes cognitives. Par exemple, pour des jeux de course où il y a de l'action, ben, on s'aperçoit qu'effectivement, ça améliore les capacités à bien explorer par les yeux son écran, être plus attentif sur une tâche de tracking, et ainsi de suite. Et ça décale pas beaucoup des activités du jeu, ça. On voit pas trop le rapport aux activités extrascolaires là-dessus. D'autres travaux, par exemple ceux de Laurent, de Sonia Laurent et d'Alain Lurie, ont essayé de voir si ce qu'on nous vantait à la télé sous des méthodes type Kawashima et ainsi de suite avait un fonctionnement réel sur l'âge du cerveau, les compétences cognitives, et ainsi de suite. Ben, ça n'est beau qu'à la publicité, c'est toujours la même chose. Et donc, vous voyez, aucun effet sur les apprentissages scolaires quand on compare donc, les consoles Nintendo et compagnie qui vendent ça, c'est bien, c'est un marketing, mais ce n'est pas forcément utile, ça ne va pas se substituer à des apprentissages et des efforts intellectuels pour apprendre, développer des littératies. D'autres montrent qu'il y a différentes méthodologies là-dessus. Alors certains ont vu qu'effectivement, pour certains travaux, la mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire à court terme dans laquelle on gère, là, que vous utilisez pour essayer de me comprendre pendant 30 secondes, eh bien, cette mémoire de travail est plus sollicitée, les stratégies sont à la fois
dans le calepin visio-spatial, dans les boucles d'auto-répétition pour essayer de comprendre ce que je raconte, le temps de le noter, et ainsi de suite. C'est possible. D'autres vont dire qu'il n'y a pas d'effet. D'autres encore ne montrent que ça ne marche que sur certains groupes où il y a une activité effectivement forte dedans. Finalement, c'est assez mitigé. Il faut encore poursuivre les travaux pour dire qu'il y a des transferts là-dessus. On sait que les transferts sont spécifiques d'une activité, mais ils ne sont pas holistiques. Faire des jeux vidéo ne va pas améliorer votre note en maths dès le lendemain. Ça ne fonctionnera pas. Mais c'est généralement ce qui est vendu par les élèves pour acheter telle dernière version auprès des parents. Ça va me servir là-dessus. Seconde notion, seconde hypothèse, l'idée d'un coût temporel. C'est-à-dire que si on fait trop de loisirs, ou si on se repose trop, ça va prendre du temps dans la journée. Vous avez vu que notre déjà, on a, je ne sais plus, c'est à peu près 12 heures de la journée consacrées au repos, au repas, aux soins, à la toilette, à d'autres choses. Donc sur le temps restant, hein, la plus grande chose, on a 4 heures en moyenne pour les études. Et puis il reste encore du temps qu'on peut occuper à faire quelque chose. Donc les hypothèses là-dessus, c'est que la pratique intensive peut être délétère au sens elle peut faire qu'il y ait moins de temps pour les activités scolaires du genre devoirs et révisions. Hein, les parents connaissent bien les enfants qui veulent d'abord commencer à jouer avant d'avoir commencé les devoirs. Généralement, on fait dans l'inverse. On dit, ben, tu fais tes devoirs, tu auras le temps après, éventuellement, s'il n'est pas rendu l'heure d'être à table, de faire tes loisirs. Alors, ce qui est supposé dans ces hypothèses-là, c'est qu'il y a des effets négatifs de la télévision. Alors, l'indication qui est donnée là-dessus, ce sont des anciens travaux qui ont été menés il y a beaucoup de temps, à l'époque où le média privilégié, c'était plutôt la télé avant que Internet ou les ordinateurs ne deviennent accessibles. Avant Internet, il y a quand même eu le fait que les ordinateurs sont devenus bien moins chers, que les foyers ont pu s'en équiper. Et donc, dans les années 80, les gros travaux qui étaient faits et considéraient la télé comme le média de loisirs. Et on a bien vu que la lecture était grignotée par ce média-là. Donc, les études américaines ont bien montré que des élèves qui passaient plus de 4 heures devant la télé par jour avaient des effets délétères sur leur performance scolaire. Il y a eu des courbes à optimum qui montraient qu'au-delà de 42 heures par semaine, c'était incroyable la déperdition scolaire pour les élèves. Par contre, il y avait des courbes à optimum qui montraient qu'entre 4 à 5 heures de télé par semaine, dans ces années 80, étaient plutôt intéressantes. Alors, je vais vite, je vais trop lentement. Alors, repos et relaxation, il y a des études qui ont montré que ça joue également. Si on est trop occupé dans une activité de loisir, ben en fait, on ne va plus avoir assez de temps de sommeil pour récupérer, et donc le lendemain matin, nécessairement en classe, on va être fatigué. C'est trivial, mais il faut bien montrer que c'est la durée d'activité qui est sans doute une hypothèse forte, et non pas la nature de l'activité de loisir qui est importante. Donc on peut peut-être faire n'importe quel loisir, l'important c'est de ne pas en faire trop, au risque de ne plus avoir le temps de réviser, de se reposer, et ensuite d'être prêt pour aller à l'école. Puis vous avez des hypothèses plutôt sur les processus motivationnels. Donc on a évoqué certaines théories tout à l'heure. Moi, là, j'en cite au moins deux. La motivation intrinsèque qui est bien connue dans les cours de psycho qu'on donne ici à l'ESPE, donc sur l'autodétermination. Alors il y a trois types de motivation intrinsèque. Il y a celle où on aime faire des choses parce qu'elles nous stimulent. Les jeux vidéo sont un petit peu de cet ordre-là. Celles qui sont motivation intrinsèque à la connaissance, celles que les profs aimeraient bien que les élèves ont en tête. Et celle d'une motivation intrinsèque à l'accomplissement, se sentir bien parmi les autres, se développer, ainsi de suite. C'est généralement ces personnes un peu plus âgées. On n'est pas encore là. Et puis le flow, qui est une théorie depuis quelques années qui a émergé sur comment se sentir engagé, immergé, à fond dedans une activité, au risque même qu'on ne voit plus qu'on est fatigué, qu'on passe un temps qu'on n'arrive plus à maîtriser là-dessus. Donc les jeux vidéo, pour ça, utilisent des modes immersifs, vous avez quelques auteurs là que je cite, pour faire cela. Alors, est-ce que les activités scolaires sont des modes immersifs? Je ne le crois pas. Est-ce que les activités de jeux vidéo peuvent faire des choses sur le mode immersion qui rappellent ou qui vont vers la motivation intrinsèque à la connaissance? C'est ce que j'espérais, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé tous les paradigmes qui permettent de le relier. Alors, maintenant, on va voir des chiffres et des résultats. Vous avez vu donc tout à l'heure des tri à plat plutôt des informations, qu'est-ce qu'ils font. Et maintenant, on va voir si on fait passer des épreuves scolaires ou cognitives,
et qu'on compare le temps passé dans les types d'activités qu'on a vues, qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est plutôt ce qui répond à la question. Donc j'ai plus que 7-8 minutes pour y répondre. Alors, quand on regarde les tests plutôt cognitifs et scolaires, on s'aperçoit que si on fait faire à ces 27 000 élèves des tests de phonologie, on s'aperçoit du genre détecter parmi les mots suivants. Alors, si je les prononce à l'oral, vous allez trouver tout de suite. Mais si c'est écrit, c'est pas cela. Si je vous prononce faire, F-E-R, aimer, A-I-M-E-R, vert, V-E-2-R-E, amer, A-M-E-R, hiver, trouver l'intrus. Donc forcément, c'était le mot aimer, il ne se prononce pas de la même façon phonologiquement. Vous avez aussi des épreuves de lecture et de compréhension. Là, ça rejoint les définitions que Nathalie Tingry a données tout à l'heure de l'OCDE de 2000 sur ce que sont les littératies, pas forcément que les littératies numériques, mais les littératies, hein, des capacités à comprendre une information dans un texte et à l'élaborer pour le besoin qu'on a. Les mathématiques, alors le Lexis, c'est un test inventé par Lurie sur la base du concept de mémoire encyclopédique scolaire, c'est-à-dire des épreuves, 48 items, 8 par matière, il y en a 6 matières, et puis on sait qu'elles ont une très forte corrélation à la prédiction de la réussite scolaire. Donc quelqu'un qui est bon dès la 6e sur le Lexis est quasiment assuré d'arriver pas trop mal au BNB, au DNB, et c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est une mesure rapide pour voir l'état des connaissances structurées, académiques et encyclopédiques d'un élève. Et puis des tests de raisonnement. Donc, pour les épreuves de mathématiques, hein, sont tirés de PISA, 12 sous-tests, 3 catégories, ainsi de suite. Et vous voyez que garçons et filles ne sont pas différents, sauf légèrement en mathématiques, il y a une petite différence pour des sous-tests. Hein. Ils ne sont pas différents, sauf faiblement, là-dessus. Alors, on va regarder les hypothèses. Alors, je devrais y passer plusieurs heures, je vais aller vite. Vous relirez les diapos si vous voulez plus tard. Ce que l'on constate. Donc, je vais me baser uniquement sur le test dit de prédiction de la réussite scolaire sous l'angle des connaissances acquises. Donc, vous voyez que tous les élèves n'ont pas 100% de réussite aux 48 questions de vocabulaire, dont 8 par matière. Et vous voyez que ceux qui n'ont jamais pratiqué la télé-réalité, qui n'ont jamais pratiqué les jeux vidéo, sont parmi ceux qui réussissent le mieux au test de connaissances scolaires. Ceux qui pratiquent le plus la télé-réalité et, entre guillemets, les jeux vidéo ou communiquent avec le téléphone, finalement ont des résultats faibles, hein, c'est inférieur à 50%. De réussite au questionnaire. Donc finalement, quels sont les élèves qui réussissent le mieux? Ce sont ceux qui lisent énormément. Donc la lecture reste un média qui développe la littératie, donc une compétence à comprendre ce que l'on lit pour des usages élaborés, et ça fait partie des activités scolaires. Donc lire, se documenter, eh bien c'est important. Et les activités récréatives de type jeux vidéo qui n'ont pas de retentissement sur des littératies, ou surtout de la télé-réalité, n'aident pas du tout les élèves à réussir. Donc, passer trop de temps à regarder les bêtises de la télé-réalité, ça n'aide absolument pas les élèves à réussir dans les différentes matières scolaires. Au contraire. Donc, j'ai fait vite pour simplifier cette diapo, mais il y a beaucoup de choses à en dire d'autres. Si on regarde maintenant les différents types de médias. On constate que pour la télévision, eh bien, c'est pareil. Vous voyez que les séries romantiques, si on les regarde un peu trop tous les jours, eh bien, ça n'aide pas non plus à réussir dans les connaissances plutôt scolaires. La télé-réalité s'en sort à peine mieux. Mais ce sont... la télé-réalité, c'est en bleu. Ici, vous avez les films d'action, ainsi de suite. Bref, c'est pas du côté de la télévision qu'on va trouver beaucoup de secours pour des stratégies ou des compétences particulières à développer pour l'école. Alors, j'ai fait volontairement une distinction garçon-fille, parce qu'il y a aussi des garçons qui regardent des séries romantiques, tout autant qu'il y avait des filles, on avait vu, et vous voyez que les profils sont un petit peu différents, que les garçons qui regardent les séries romantiques tous les jours sont un peu moins bons, carrément, pour les tests de connaissances. Les jeunes filles de leur âge ne sont pas meilleures, mais il y a certaines activités, c'est rigolo de les regarder comme ça, qui ont une ségrégation particulière sur l'intérêt qu'on y porte. En tous les cas, ceux qui ne regardent
à la télé-réalité, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles, s'en sortent nettement mieux dans les tests de connaissances scolaires. Ça, c'est clair à dire, je le rabâche, mais TF1 ne sera pas d'accord, ni M6, mais c'est comme ça. Il vaut mieux couper, mettre un contrôle parental sur la télé à ces horaires-là, vous serez plus efficace vis-à-vis de vos enfants ou dans les conseils vis-à-vis des adolescents. Sur les jeux vidéo maintenant, alors vous voyez que selon les natures des jeux, jeux de sport, jeux d'action ou jeux de stratégie, ça joue plus ou moins. Ce qui est le plus délétère, ce sont ceux qui passent trop de temps à faire des jeux de sport, on a dit à peu près qui c'était tout à l'heure, eh bien ça diminue aussi leur... faire trop de foot sur la console, ça aide pas à faire les devoirs, surtout à comprendre le lendemain ce qui se passe pour une évaluation. Et puis vous voyez, c'est à peu près moyen qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, mais là c'est particulier. Alors, si on distingue garçons et filles, ben on retrouve aussi des patterns particuliers. Donc, les jeunes filles qui font de la console avec des jeux de sport, de foot, je ne le conseille pas, parce que ça ne marche pas du tout. C'est comme les garçons romantiques, c'est pas bon pour les activités qui sont présentes. Alors, ce tableau est le plus intéressant, et si je devais statuer, ça serait peut-être le seul que j'aurais à montrer. C'est si on fait la distinction entre jamais et tous les jours, et qu'on fait la différence du gain par rapport aux apprentissages, voilà ce que ça donne. On voit que la lecture est le type de loisir qui est le mieux en relation aux activités scolaires. On gagne si des élèves passent tous les jours du temps à lire. C'est surtout dans les activités scolaires, quelles que soient les matières, le Lexis c'est une combinaison de 6 matières différentes, qu'il va y avoir un bénéfice. Ça marche aussi pour les tests de compréhension, un petit peu pour les maths, et RCC c'est des stratégies de spatialisation, de recherche d'images, ainsi de suite. Bon, c'est pas très scolaire. Par contre, si vous mettez de la télé-réalité, souvent, tous les jours, eh bien, vous allez diminuer de 16 points les compétences scolaires de ces élèves. En mathématiques, ça va aussi être impacté. La compréhension, n'en parlons pas, aussi c'est impacté. Et finalement, sur les tâches visio-spatiales, c'est pas tellement bon. Alors, on remarque que ce qui est aussi efficace, finalement, c'est de ne rien faire, se reposer. C'est assez bon, notamment, vous voyez, pour le Lexis. C'est tout bête, c'est des travaux des années 20-30 qui montraient que quand on apprend, à un moment donné, nos cerveaux n'arrivent plus à consolider les connaissances, il faut repotentialiser les neurones, un petit peu tout ça. Donc il y a des périodes réfractaires aux apprentissages. Donc si on apprend tout le temps la même chose, si on ne fractionne pas les choses, si on ne se repose pas, eh bien on ne consolide pas les connaissances. Notamment le sommeil permet de le faire dans la nuit, d'éviter les fausses pistes qu'on a vues dans la journée. Donc, à défaut d'avoir une bibliothèque chez soi, je préconise de vraiment, réellement se reposer. Ça fonctionne bien, ça coûte pas cher et c'est efficace pour les élèves. Anne, combien de temps me reste-t-il ? 2 minutes. 2 minutes, bon. La motivation. Sur la motivation, on a essayé de voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Alors là, c'est mitigé. Je ne vous ai fait afficher que ce qui marche. Et encore, quand ça marche, c'est faible. On voit que communiquer, donc vous voyez bien qu'il communique beaucoup, ça n'encourage pas du tout, c'est même négatif, ça n'encourage pas la motivation intrinsèque à la connaissance. La motivation intrinsèque à la connaissance, c'est le plus haut degré de motivation que l'on a de aimer apprendre des choses, être curieux de nature intellectuelle, c'est ce qu'on demande pour des activités scolaires. Vous voyez que même si on fait beaucoup de textos, si on chatte beaucoup, si on parle beaucoup avec ses copains ou ses copines, ça n'est pas bon sur la motivation à la connaissance. C'est même contre... L'effet est faible, donc on va être prudent sur ces interprétations. Par contre, vous voyez que la lecture, elle est quand même corrélée de façon plus importante. 3 fois 3, 9, ça fait 9% d'explication des variances expliquées, avec la lecture et la motivation à la connaissance. La motivation intrinsèque, c'est quand on pense que les choses ne viennent pas de nous, c'est plutôt le système scolaire qui nous impose. On ferait bien de ne pas les faire, mais sauf qu'on se ferait gronder si on ne les faisait pas, donc on lit quand même. Ça motive plutôt des hauts niveaux de motivation intrinsèque, mais ce n'est pas comme ça. La motivation, la non-motivation, c'est le fait que
les personnes sont résignées, n'ont plus envie de rien faire, plus faire d'efforts, ne perçoivent pas que leurs efforts leur donnent des bons résultats scolaires, par exemple. Eh bien, vous voyez que quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui diminue son risque de se trouver résigné. Et ça, c'est important. Donc, si on lit, on a des connaissances, on a des méthodes, on a des démarches intellectuelles, c'est intéressant. Vous voyez que se reposer, trop se reposer, c'est pas bon non plus pour chercher des connaissances. Donc là-dedans, finalement, ce qui reste, hein, c'est la lecture. La motivation, la non-motivation, vous voyez que trop se reposer, c'est, ça va plutôt avec des gens qui aussi, à un moment, se lèchent aller. Bon, allez, je fais rien, j'attends, je patiente. Bon, les effets sont faibles, hein, je souris en vous disant ça, mais les effets sont faibles, donc il faut quand même faire attention. Et puis, un champ de travail sur lequel je n'aurai pas le temps de m'étendre, sur lequel travaille Yuri Fenouillet, et je vais peut-être travailler aussi avec eux là-dessus, c'est le champ de la rébellion. Quand est-ce qu'on se rebelle dans des activités, et ainsi de suite, vous voyez qu'il y a des conséquences. Quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui sait se raisonner, et finalement se rebelle un peu moins. Ça peut être bien pour les CPE, ça. Alors, qu'est-ce que tu fais à la maison? Comme ça, je saurai si tu vas te rebeller ou pas dans la cour d'école. Ça pourrait être une façon intéressante de regarder les choses. Ou est-ce que tu t'es bien reposé? Ah, tu t'es trop reposé, zut, il va se rebeller. Ça peut être aussi des choses qu'on pourrait poser comme question. Mes conclusions. Alors, téléphone et Internet, donc il y a un effet légèrement négatif, de moins 2 à moins 10% sur les résultats scolaires. Donc, il faut dire aux personnes de un peu moins téléphoner, mais peut-être sans doute de plus lire. Ça, on l'a vu tout à fait. On a vu que, par contre, Internet pour naviguer sur des sites qui nous intéressent non scolaires, c'est positif. Donc ça, c'est intéressant. Télé et vidéo, là, on a vu qu'il y a voir la télé trop longtemps, c'est négatif. Certains programmes sont absolument à bannir. Il faut des codes parentaux quasiment sur les télés pour éviter cela. Les jeux vidéo, finalement, il n'y a pas d'effet positif. L'hypothèse d'un transfert de compétences cognitives n'est pas révélée. On a même vu que les jeux de sport sont négatifs. Les garçons qui font trop de consoles, de foot, et ainsi de suite, ça devrait être aussi pendant les vacances et pas pendant le temps scolaire ou les périodes de scolaire. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. La lecture, c'est vraiment le média support ou de loisirs qu'il faut plébisciter parce qu'il encourage les résultats scolaires et différentes compétences. On a vu en compréhension, autant en mathématiques, que dans la généralité des notes moyennes mesurées par le Lexis. La relaxation, ça marche aussi, j'ai dit c'est pas coûteux. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Les loisirs numériques, si on regarde un peu tout, sont finalement assez neutres. Il y a des médias à plébisciter plus que d'autres. L'absence de loisirs, finalement, ça encourage des résultats qui sont faibles vis-à-vis des notes scolaires. Donc, la l'oisiveté n'encourage pas les résultats scolaires. Il faut le voir dans ce sens-là, ainsi de suite. Il vaut mieux faire du loisir sans trop d'exagération, en privilégiant un temps de repos, mais aussi des activités qui plaisent aux élèves. Et si on peut à nouveau faire la promotion de la lecture, même si elle est sur liseuse ou compagnie, même si ce sont des bandes dessinées et pas des œuvres littéraires comme voudraient le préconiser les enseignants, eh bien c'est bien de lire, ça encourage ces littératies, qu'elles soient numériques ou ordinaires, pour aller dans le champ des apprentissages scolaires. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Vous aurez des éléments de biographie pour voir les choses, notamment l'étude de l'INSEE, si vous voulez voir un petit peu plus ce qui se passe derrière. Et puis je vais répondre à vos questions s'il y en a. Merci.